interview entrepreneuriale là, avec des buildings derrière, alors qu'on est quand même dans l'émotion. Donc bon, pff, voilà, il y a des grandes parois vitrées, une vue très... Bien, on vient de finir notre petite interview avec Sarah qui, Dieu merci, retrouve un peu le sourire. Mais c'était une interview hyper émouvante. Voilà, ça va. J'ai hâte que vous la découvriez. Oh là, ouais. J'ai du mal avec en ce moment avec le français. Ça va aller. Ça m'a fait du bien de parler et j'ai plein de messages à vous faire passer. Donc, j'ai hâte de voir cette interview. Bon, bah cool. Et là, on va aller changer les idées. Direction, la plage, le restaurant, là, la piscine. J'allais mettre mon maillot de bain et on va y aller. Oh my God. Regardez l'hôtel Atlantis, les puces. Le meilleur hôtel de Dubaï, sans hésitation. Oh, les puces, ça y est, la détente arrive. Oh my God, là, c'est les vacances, je vous le dis, les puces. Ça fait du bien d'avoir fini. Non, mais c'est un paradis, hein, franchement. Oh, oh là là, je suis tellement heureux pour le coup, les puces. Mais ça n'a plus rien à voir avec Dubaï, il y a des oiseaux. Je suis là. Qui a commandé ça déjà? Oh my God. Good ceviche. Ça c'est... Tu te régales. C'est la première fois nous qu'on se voit, c'est ouf. Mais attends, pourquoi on n'a pas fait de bain? Mais pourquoi à l'époque on n'avait pas fait d'interview? Parce que je voulais pas. Oh, tu te prends pour qui? J'avais pas dormi. Mais ça va pas. A sushi time. Les influenceurs au restaurant. Alors ici, il n'y a que moi apparemment, c'est ça qui aime le poulpe. Les trous et tout, non merci. Les trous, c'est pas les trous. Bon, et bien voilà les puces, summer body. Bah, on dirait que je suis mince, il y a un problème. C'est étrange. Bon, en tout cas, je suis sacrément blanc. Je vous jure de finir ce séjour comme ça. Oh là là, petite récompense de fin de tournage avec un temps magnifique. Trop heureux à toutes les puces. Ragez pas trop avec la neige. C'est n'importe quoi, il y a le même maillot de bain. Exactement les mêmes couleurs, regarde. Bleu et violet. Donc là, c'est la partie piscine. Ça fait très, vous savez, Polynésie. Les petites cabanes et tout. Ah, la chance. Bien, le caméraman est plutôt musclé, dites voir. Je découvre son corps. Je dis gras. La minceur. Voilà, on arrive à la plage. Putain, les couleurs de l'eau, trop cool. Ah. Bon, par contre, c'est un peu trop aménagé. J'aime mon métier quand même. Hein. Finir des tournages et se retrouver les pieds dans l'océan Indien, il n'y a quand même pas photo. C'est le... Non mais regardez-les, ces deux-là, ils trouvent l'eau trop froide. Excusez-nous, elle est trop froide pour eux. Ah, il y a des bêtes. Living my best life, bitches. Oh, oh, qu'est-ce qu'on est bien. Mais ça c'est ma, ça c'est mon gars sûr à Dubaï. Regardez-moi ce petit coucher de soleil. C'est la première fois à Dubaï que j'entends des oiseaux. Il y a donc des espèces qui vivent ici au milieu des buildings. Thank you. Waouh, ça c'est du cocktail. Regardez les puces avec une vue. Vraiment. Santé. À l'interview. Oui, puis aussi à la fin de mon séjour. On a fait des photos, mais machallah, on dirait un couple. Père Porter, c'est plutôt en bonne voie. Là, il y a des triplés. J'ai déjà trois familles là en attente. Donc voilà, on rend ultra bien. Moi, je suis fan de coucher de soleil, faut le savoir, les puces. Qu'est-ce que j'aime ça. Bon, alors ça, c'est le Dubaï, les puces dont je rigole tant, le bling bling. C'est quoi tout ça là? Tous ces bâtiments, toutes ces bagnoles. Et le pire, c'est qu'il y a vraiment des gens qui se font prendre en photo à côté, quoi. Non, mais... Oh, ah ouais, carrément. Le mec en PLS à qui la bagnole appartient. On est au Dubaï Mall, les puces. Vous savez ce qui fait la particularité de plein de... Alors ça, c'est un drôle de poisson, par contre. Bah, c'est peut-être un requin, d'ailleurs. Alerte requin. Ouh là 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 là. Pas sympatoche, celui-là. Ouh là 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 là. C'est dingue, il y a ça. Non mais vos potes sont vraiment dans l'excès. Il y a des taxis à l'intérieur des centres commerciaux. Putain, j'en peux plus d'eux. Vos potes ont fait des cascades, les puces, en plein milieu d'un centre commercial. Franchement, vos potes mais m'épuisent réellement.
c'est immense. Regarde, on est sorti du centre commercial. Moi, je sais plus où donner de la tête, hein, les puces. Et la tour les puces du Burj Khalifa, la plus haute au monde. Je pense pas que vous vous rendiez compte là sur la story, mais c'est un truc de dingue, hein. Vraiment, déjà ce building. Alors elle, oh mon Dieu. Oh my god, la tour illuminée. Oh là là. Incroyable. On se croirait à Vegas, mais c'est encore... Alors là, on est au restaurant Les Putes et c'est reparti, regardez, pour un show fontaine. C'est toutes les demi-heures. Vieille ville de Dubaï, les puces. Alors ça, les influenceurs vous le montrent pas. Hein. C'est... D'ailleurs, il y a quasiment pas de touristes. Donc bien sûr, les prix sont beaucoup moins chers. Le vieux, vieux Dubaï. Enfin, en fait, c'est là où les vrais gens, on va dire, de Dubaï, je pense, vivent. Parce que Dubaï, la ville, tout ça, avec toutes les, tous les buildings, toutes les statues, tous les trucs. Là, vraiment de gens. Et alors, mon caméraman, foulala, toutes les 15 secondes, il s'arrête pour acheter l'aide. Let's go. Je vous jure, il claque, il a la moitié des... Alors, combien il dépense aujourd'hui? 25 dirhams. Et toi? C'est non, pour non. Ah, c'est pas pour toi? Alors, il y a réellement des sacs à main, Pop-Sit. Je suis un... Incroyable, mais vrai. Vous vous demandiez qui entrait dans ces grands magasins accro à ce genre de boutique. Vraiment, la Belette, Pollux, maintenant c'est lui. Et moi, je crève, le mec, il est dans un souk. Les tétons à l'air. Non. Oh là 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 là, il fait péter son budget. Hein. Sur YouTube, putain, sur internet, tu les trouves à 3 balles. Putain, mais je suis mort, il n'y a que de la contrefaçon derrière toi. Ah ouais. Chanel, Tom Ford. Il m'a demandé si ça sentait bon. Ça sentait la bombe à chiottes, j'ai pas osé lui dire. Ah, il m'entend. Bon. C'est particulier ce genre. Oui, ça pue, oui. Ouais, mais c'est de la bombe à chiottes. Enfin, je te jure que Febreze à Carouf, tu le payes moins cher. Non, ah, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est pas possible, il va pas. Oh là là, il va rentrer, mais sapé comme jamais. Loulou et Boudin. Déjà deux sacs poubelles, enfin deux sacs d'achat, mais c'est vrai que vu la texture des. Alors? Non, je sais pas si j'aime. Ah, tu sais pas si t'aimes? Mais sauf que c'est un M. Oui, c'est un peu. C'est compliqué de comprendre. Il y a encore des sacs pupites, les puces, regardez. Tremis. J'adore. Je savais pas que ça existait. Regardez ce touriste au milieu des gens, mais je hurle. Ah, il vient de se faire alpaguer par un vendeur, les puces, qui veut lui vendre des fausses montres. Et le pire, c'est qu'il fout. Alors maintenant, il a trouvé un autre vendeur qui va lui vendre des Jordan, apparemment. Voilà. Ouh, celui-là, on va le presser comme un citron. Ah ouais, là, ça part dans les bails sombres. Non. Six floors. Bon bah ils viennent de partir dans cet ascenseur, je suis tout seul, j'ai pas voulu mon... Ah ça y est, il est de retour, il est où? Ah, alors t'étais encore en vie? Ouais, je suis parti dans un truc de fou là. Bon ça va, ah bon? Ah ils m'ont appelé dans un magasin. Bon bah regardez les puces, il a des... Oh faut dire qu'avec tout ce que le mec a acheté, la vérité, il a fait vivre pour un mois et demi la rue entière. Truc de dingue. Je suis extrêmement mal à l'aise, je me sens pas du tout intégré, enfin... Personne me calcule. Et allez, encore un achat.